septembre 1972, Antoine, toujours en phase avec l'évolution de la société, avait pensé que la pop musique était beaucoup plus à même de faire bouger les masses populaires que la théâtralité. Nous nous appelions désormais Gangrène Plastique et nous étions prêts à déboulonner Led Zepp, Zappa, Jeff Rotoul et tous les autres. Ils n'ont jamais chanté leur utopie au fond des cours. Et ceux qui sont prêts à être guerriers de l'amour. Révolution. 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 Pour ceux qui se sont révoltés sur des pavés qui bougent. Et ceux qui se sont réveillés. Cochons de la CIA complotent dans les couloirs de Babylone. Révolution ! Hey ! Révolution ! Lou Bill Baker, directeur artistique des Strawberry Records, nous avait ainsi découvert dans la rue et il venait tel un rapace de repérer Bernadette Legrandbois. Pour notre groupe Underground, c'était la première rencontre avec le show business.